vient de la terre. Pero ¿qué es este eco que nos viene de la tierra? Et c'est l'écho de Dieu dans sa créature humaine. Es el eco de Dios en su criatura humana. Il dit que quelqu'un qui entre dans la divine volonté. Dice que alguien que entra dentro de la divina voluntad. Ne comprend pas le purgatoire. No era el purgatorio. Son purgatoire, il commence déjà sur terre. Porque el purgatorio ya lo comienza a hacer aquí en la tierra. Il dit que quelqu'un qui entre dans la divine volonté. Déjà à vivre le ciel sur terre. Il commence à vivre le ciel et la terre. Il dit que toute la sainteté des saints avant nous. Dit que toute la sainteté de tous les saints antérieurs à nous autres. Est une petite sainteté. Est une petite sainteté. Et que la sainteté dans la divine volonté. Et que la sainteté en la divine volonté. Où Dieu fait tout à travers moi. Donde es Dios el que hace todo a través de mí. C'est la plus grande sainteté. Es la mayor de las santidades. Maintenant, il y a cinq portes qu'on ouvre et qui bloquent en nous la divine volonté. Ahora hay cinco puertas en nosotros que abrimos y que bloquean a la divina voluntad. Essayez de les retenir. Tratar de recordarlas. La première porte. La primera puerta. Le péché. El pecado. À toutes les fois, je choisis de faire du mal, un péché. Cela bloque la divine volonté. Esto bloquea la divina voluntad. Jésus dit à Louisa. Y Jesús le dice a Luisa. Je vais tout faire dans la créature humaine. Yo voy a hacerlo todo en la criatura humana. Mais une chose qu'elle ne peut pas me demander de faire. Pero una cosa que ella no puede pedir que yo haga con ella. C'est le péché avec elle. Es cometer pecado con ella. À ce moment-là, je lui retire le cadeau. Porque en ese momento yo le retiro el regalo. Si elle me demande pardon, y si me pide perdón, je lui redonne le cadeau. Ahí le devuelvo el regalo. Gloria Polo. Gloria Polo. Qui vient de la Colombie. Que viene de Colombia. Viendra ici au Chili le 7 novembre. Va a venir aquí a Chile el 7 de noviembre. Et elle donne son témoignage. Y ella da su testimonio. Quand elle est foudroyée par l'éclair. Cuando la fulmina el rayo. Elle voit des murs de l'hôpital. En el hospital ve en los muros. Des visages de démons qui sortent des murs. Las caras de los demonios que salen de las paredes. Sur chaque visage de démon, un péché qu'elle n'a pas confessé. Y en cada cara de los demonios hay el pecado que ella no ha confesado. La colère. La ira. La haine. El odio. Elle détestait son père. Ella odiaba a su padre. L'avortement. Alors, premier obstacle pour accueillir la divine volonté. Así que el primer obstáculo para acoger la divina voluntad. Le péché. El pecado. Deuxième porte. La segunda puerta. Les pratiques occultes. Las prácticas ocultas. C'est quoi les pratiques occultes? ¿Qué son las prácticas ocultas? Le tarot. El tarot. Vous connaissez le tarot? ¿Sabéis lo que es el tarot? Levez la main ceux qui connaissent. Levantad la mano los que sabéis lo que es. Dans le tarot, en el tarot, on essaie d'aller chercher l'avenir. Vamos en la búsqueda de conocer el futuro. C'est une pratique occulte. Es una práctica oculta. Le Seigneur m'a montré ici au Chili. Y el Señor me ha mostrado aquí en Chile. Beaucoup de gens pratiquent le tarot. Muchas personas practican el tarot. Et ont des dépressions. Y tienen depresiones. Parce que c'est un monde, c'est une pratique qui ouvre sur le monde de notre ennemi Satan. Yoga. Il n'y a aucun yoga qui ne soit bon. No existe ningún yoga que sea bueno. Les positions du yoga. Las posturas del yoga. Qui sont des positions des divinités hindoues. Son posturas de divinidades hindúes. Ouvrent les chakras. Y abren las chakras en nosotros. Et même parfois favorisent l'infestation de la possession diabolique. Y a veces favorecen las infestaciones y posesiones diabólicas. L'année dernière au New Jersey. L'année passée, à New Jersey, une dame découvre sa possession diabolique après 2 ans de pratique de yoga. Después de 2 años de practicar el yoga, una señora descubrió que tenía posesión diabólica. Charlie, Charlie. Charlie, Charlie.
Levez la main ceux qui connaissent ce jeu. Levantad la mano los que conocéis este juego. Levez la main. C'est répandu dans le monde maintenant. Ahora se hace en el mundo entero. En Italie. En Italia. En Espagne. En España. On met un crayon sur une feuille blanche. Se pone un lápiz en una hoja en blanco. Oui et non de chaque côté du crayon. De cada lado del lápiz hay sí y no. Et on dit Charlie, Charlie, quel âge est-ce que je vais mourir vieux? Il se le pregunta, ¿acaso Charlie a qué edad voy a morir? Le crayon se déplace. Y el lápiz se mueve. Ben oui. Y dice sí o no. Alors les jeunes qui pratiquent cela dans les écoles. Y los jóvenes que practican esto en la escuela. Ont des maux de tête. Tienen dolor de cabeza. Des vomissements. Vómitos. Symptômes des pratiques occultes. Síntomas de prácticas ocultas. La pratique occulte amène le mal de tête. Las prácticas ocultas traen dolor de cabeza. Indigestion. Indigestión. Ouvre à l'anorexie, à la boulimie. Abre a la anorexia, a la bulimia. Et la pratique occulte provoque même des vomissements. Y también provoca vómitos. Et nous éloigne de Dieu, de la messe et de la prière. Y nos aleja de Dios, de la misa y de la oración. Le Reiki, est-ce qu'il y en a beaucoup qui connaissent le Reiki? El Reiki. ¿Muchos de vosotros conocen Reiki? Levez la main. Levantad la mano. Le Reiki est une pratique occulte. El Reiki es una práctica oculta. Où on prétend selon la disposition des doigts. Donde se pretende según la postura de los dedos. Aller chercher des énergies pour guérir le corps. De ir en busca de energías para sanar el cuerpo. Ces énergies sont diaboliques. Esas energías son diaboliques. L'année dernière, dans un congrès d'exorcistes à Rome. El año pasado, en un congreso de exorcistas en Roma, deux personnes témoignent d'avoir été délivrées du démon du Reiki. Dos personas dieron el testimonio de haber sido liberadas del demonio del Reiki. Bien sûr que la voyance médium. También existen los videntes, horóscopos, la drogue et l'alcool. Droga, alcohol. Ouvre les portes à des infestations. Que también abre la puerta a las infestaciones. Au mois de mars dernier, j'étais en Espagne. En marzo pasado, estando en España. Deux frères découvrent leur possession diabolique. Dos sacerdotes descubrieron que tenían posesión demoníaca. Diabolique. Diabólica. Avant d'être prêtre. Porque antes de haber sido sacerdotes. Ils avaient vécu des expériences de drogue. Habían tenido experiencias con la droga. Le sexe. Con el sexo. Ils montrent pour se convertir et devenir prêtre. Después se convierten y se hacen sacerdotes. Et quelques années après. Unos años después, la manifestación diabólica. La manifestación diabólica. Dans leur corps, ils sont possédés. Entre su cuerpo porque están poseídos. Ils ne le savaient pas. Ellos no lo sabían. Ils célébraient la messe. Celebraban la misa. Ils confessaient. Confesaban. Et jamais Satan ne s'était manifesté. Y Satanás nunca se había manifestado. Alors, depuis que je fais cette mission à travers le monde. Y desde que yo voy en esta misión a través del mundo. 10 prêtres ont découvert leur possession diabolique. Se descubren 10 sacerdotes que tienen posesión diabólica. 8 prêtres sur 10, leur possession a été confirmée par le réveil. De los 10, 8 son confirmados por el obispo. Alors, un prêtre qui avait la pratique du pendule dans sa famille. En uno de los sacerdotes había sido la práctica del péndulo en su familia. Alors, la deuxième porte des pratiques occultes. La segunda puerta de las prácticas ocultas. La troisième porte. Y la tercera puerta. L'arbre généalogique. El árbol genealógico. S'il y a des ancêtres qui ont quitté ce monde sans demander pardon à Dieu. Si tenemos antepasados que se fueron del mundo. Sin pedir perdón a Dios por sus pecados. Ellos han herido nuestro árbol genealógico. Grand-père, père, fils infidèle. Abuelo, padre, hijo infiel. Grand-mère, mère, fille dépressive. Abuela, madre, hija depresivas. On découvre qu'on a des dons de guérison. Descubrimos que tenemos dones de sanación que vienen de las prácticas de nuestros antepasados. ¿Y cómo cerramos la puerta? On demande pardon à Dieu pour nos
nos han hecho. Pidiendo perdón a Dios por nuestros antepasados. Quatrième porte. Cuarta puerta. Les blessures. Las heridas. Le rejet. El rechazo. Qu'est-ce qui fait que j'ai la blessure de rejet? ¿Qué hace que yo tenga una herida de rechazo? Je ne m'aime pas. No me amo. Je ne m'accepte pas. No me acepto. Je suis souvent triste. Estoy a menudo triste. Je me sens de trop. Me siento que sobro. J'ai des idées suicidaires. Tengo ideas suicidas. J'ai un mal de vie. Tengo dolor ante la vida. Je veux mourir. Quiero morirme. Je me sens pas aimé de mon mari ou de ma femme. No me siento amada por mi marido, por mi esposa. Pour les jeunes, je ne me sens pas aimé de ma maman ou de mon père. Y en los jóvenes no me siento amado por mis padres. Je n'arrive pas à avoir la paix. Y no consigo encontrar paz. Blessure de rejet. Herida de rechazo. Y aussi la peur. También existe el miedo. L'envie. La jalousie. Los celos. Ce sont des blessures. Estas son heridas. Qui peuvent être infestées par l'ennemi. Que pueden ser infestadas por el enemigo. Et que Jésus veut guérir. Y que Jesús quiere sanar. Ce sont la plupart des blessures du sein maternel. En general son heridas hechas en el seno materno. Beaucoup de personnes ont été guéries d'anorexie ou de boulimie. Muchas personas han sido sanadas de anorexia. Dans un petit ministère. Con un pequeño ministerio. Au nom de Jésus. En nombre de Jesús. Que tout esprit de boulimie. Que todo espíritu de boulimie. Anorexia. D'automutilation. Automutilación. Te quitte maintenant. Salga de ti ahora. Et cet esprit sur la blessure de rejet. Y es a menudo dentro de esa herida del rechazo. Que ces problèmes sont survenus. Cinquième porte. La quinta puerta. Le monde. El mundo. N'allez pas vous faire donner des massages à n'importe qui. No vayas a que os dé un masaje a cualquier persona. Le culte se transmet par le toucher prolongé. Porque el oculto se transmite a través del tocamiento prolongado. Dans les milieux hospitaliers. En los medios de los hospitales. La confusion médicale. Hay confusión médica. Les gens meurent où ils ne devraient pas mourir. La gente muere donde no debería morir. Parce que le personnel de l'hôpital a des pratiques occultes. Porque las personas en el hospital tienen prácticas ocultas. En Italie, en Espagne. En Italia y en España. Les infirmières suivent le cours de Reiki. Las enfermeras tienen clases de Reiki. Elles se promènent dans les hôpitaux pour détendre les malades. Y se pasean por los hospitales para relajar a los enfermos. Et elles pratiquent le Reiki sur les malades. Y ellas practican el Reiki sobre los enfermos. Aujourd'hui, ça nous demande un discernement. Hoy en día nos exige un discernimiento. Est-ce que vous pourriez maintenant me dire les cinq portes? ¿Vosotros podéis repetir las cinco puertas? Qui bloquent la divine volonté. Que bloquean a la divina voluntad. La première porte. La primera puerta. El pecado. Pecado. La deuxième porte. Prácticas. Prácticas ocultas. Prácticas ocultas. Deuxième, troisième porte. La tercera. El árbol genealógico. Árbol genealógico. Quatrième porte. La cuarta. Heridas. Les blessures périnéritas. Heridas. Cinquième porte. El mundo. El mundo. El mundo. Ça nous aide pour le discernement. Eso nos ayuda para el discernimiento. Pour la libération. Y para la liberación. Aujourd'hui. Hoy. Jésus veut libérer plusieurs personnes parmi vous. Jesús quiere liberar a muchas entre vosotros. Tristeza. De la tristeza. Angoisse. De la angustia. Opresión. De la opresión. Obsesión. De las obsesiones. Des pensées que je ne suis plus capable de me libérer. De la pensar que no soy capaz de liberarme. Pensée de blasphème. De blasfemia. Pensée de impure. Pensamientos impuros. Pensée de colère. Pensamientos de ira. De haine, de divorce. De odio, de divorcio. C'est des pensées qui me reviennent souvent. Estos son pensamientos que vuelven a mí. Donc je n'ai plus de contrôle. Que yo ya no consigo controlar. Aujourd'hui, Jésus veut nous libérer. Jesús nos quiere liberar. Les personnes qui ont le mal de tête. Las personas que tienen dolores de cabeza. Le mal de vivre. Un dolor ante la vida. Les idées de mort. Ideas de muerte. Parfois de suicide. También de suicidio. Et ça va se faire très simplement. Esto se va a hacer de una forma muy simple. Je
la Reine de la Fe. Es María, Reina de la Paz. Patrona de esta parroquia. Patrona de esta parroquia. Y au fur et à mesure. Y cuando. Que les personnes ressentent les symptômes. Las personas empiezan a sentir los síntomas. Obsesión. Obsesión. Depresión. Depresión. Envie de vomir. Ganas de vomitar. Dolor de cabeza. La peine de tour. La cabeza que da vueltas. Ton corps commence à trembler. El cuerpo que empieza a temblar. Au mois de février dernier, de Genève en Autriche. El mes de febrero, el joven sacerdote en Austria. 4 ans de sacerdote. Responsable de la pastorale des vocations dans son diocèse. Responsable de la pastoral de las vocaciones de su diócesis. Était soigné pour des angoisses. Estaba siendo tratado para angustias. Je prie sur lui. Oré sobre él. Son corps commence à s'agiter. Su cuerpo empezó a agitarse. Je demande à 4 prêtres de l'amener devant Jésus. Yo pedí a 4 de los sacerdotes que la acompañase delante del Señor. Et la procession diabolique se manifeste. Y ahí se manifestó la procesión diabólica. Je l'envoie son évêque. Le mandé a ver a su obispo. Évêque prie sur lui. El obispo oró sobre él. Et Satan se manifeste à travers son corps. Y Satanás se manifestó a través de su cuerpo. Maintenant, il est entre les mains d'un prêtre exorciste. Y hoy en día está siendo exorcizado por un sacerdote exorcista. Quand vous allez commencer à avoir des symptômes, así que cuando vosotros empecéis a tener síntomas, et il y a déjà des gens qui ont commencé à avoir de tels symptômes, vosotros hay personas a quien ya han empezado, vous allez vous avancer auprès des prêtres, vais a venir acercaros a vuestros sacerdotes, ils vont être ici, les 4 prêtres, y los 4 sacerdotes van a estar aquí delante, ils vont vous faire une onction d'huile sur le front et sur les mains, y ellos van a haceros una unción de aceite en la frente y en las manos, en disant simplement, diciendo simplemente, au nom de Jésus, en nombre de Jesús, je te libère maintenant, yo te libero ahora, de tout ce qui n'est pas de Jésus, de todo lo que no es de Jesús. On peut pas passer 5 minutes par personne, porque no podemos pasar 5 minutos por cada uno, rapidement, esto tiene que hacerse de una forma rápida, avant d'envoyer les prêtres dans cette mission, y antes de enviar a los sacerdotes en esta misión, nos vamos a poner de pie. Moi, je suis venu pour libérer mon cœur. ¿Quiénes son entre vosotros los
Moi,
Volonté. Ven,